Mesdames et messieurs, chers parents, cher monsieur de Corody, cher monsieur Schoenborg, cher monsieur Lomenec, chers professeurs, chers collègues, chers élèves. Quand un jeune entre dans votre vie, ce n'est pas uniquement le moment d'éduquer et d'enseigner. Mais c'est également le moment d'apprendre. Ce fut une année exceptionnelle, à tout point de vue. Mais nous y sommes, bien au rendez-vous, malgré la distance et la distanciation, ici ce soir, pour célébrer cette étape si belle et si importante dans la vie d'un jeune. Dear parents, when a child enters your life, it is not only the moment to educate and to teach. It is mostly the time to learn as well. In order to enjoy the ceremony, I kindly ask you to put your phones on silence, to keep your masks on, and especially to live the moment. I am profoundly honored to declare the graduation ceremony of the students of 2020-2021 promotion open. On applaudit. And I am honored, je suis honorée, to invite our principal, pour inviter notre directeur général, Monsieur De Corody, pour son discours. Voilà, chers élèves, chers parents, j'aimerais vous saluer aussi. Vous savez que vos parents nous voient en direct sur YouTube, donc on leur fait un grand salut, parce que c'est très exceptionnel aujourd'hui, ils ne peuvent pas être avec nous, je sais qu'ils sont de tout cœur. Donc c'est vraiment à eux que je pense en ce moment. J'aimerais aussi saluer monsieur et madame D'Amato qui sont ici pour une raison bien spéciale. Ils représentent la Fondation de Famille D'Amato qui va remettre un prix un petit peu surprise aujourd'hui. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà. J'aimerais aussi vous dire à quel point je suis fier de vous voir, de vous avoir. C'est pour vous que tous les matins, mes collègues et moi, nous levons. Et puis quand je vous vois aussi élégant, proche de commencer votre vie après l'école, c'est des grands moments, à la fois de bonheur de vous voir et beaucoup de tristesse pour ceux qu'on verra un petit peu moins ces prochaines années. Là, vous êtes tous absolument magnifiques. Je n'ai pas de favoris dans l'école. Je vais quand même dire un tout petit mot personnel parce qu'il y en a une de vous que j'ai vue naître. Ou presque, je n'étais pas dans la salle, mais je l'ai vue dans les bras de sa maman, Martine, quelques heures après qu'elle soit née, c'est Constance. Voilà, Constance, je te fais un petit salut, ainsi qu'à ta famille et à tes sœurs qui nous suivent sur YouTube. Voilà, chers étudiants, bienvenue pour ce moment de rassemblement qui se tient, Covid oblige, dans des circonstances un petit peu spéciales. Nous avons donc le plaisir, comme invité d'honneur, d'accueillir M. Andreas Schoenborg. Comme tous les anciens de Champitay, on se tutoie dorénavant avec Andreas, même si c'est que la deuxième fois qu'on se voit. Bienvenue Andreas. C'est un ancien du collège, c'est un entrepreneur à succès. Andreas est visionnaire, il sent le marché, il sent les tendances du marché. Il a cofondé, il travaille en équipe, il a cofondé une entreprise qui s'appelle Batmade. Alors, Batmade, ça a des références déjà de filmographie dont il nous parlera peut-être tout à l'heure. Pourquoi Batmade et pourquoi Gotham pour sa deuxième entreprise qui sont des espaces de coworking. Donc vous voyez qu'à Champitay, forcément il y a une tradition de notables un petit peu, des ingénieurs, des médecins, des avocats, des choses comme ça. Mais de plus en plus, il y a aussi des start-upers, il y a des entrepreneurs, il y a des artistes, toute une série d'autres métiers. L'important, c'est que chacun trouve sa voie. Voilà, bienvenue encore et on se réjouit de t'entendre tout à l'heure. Bon, ben, parmi vous, il y a trois groupes. Il y a les IB qui ont déjà terminé leurs examens. Ils sont un petit peu soulagés, sauf les quelques-uns qui travaillent encore sur le CAS. Hein, ils en ont encore pour quelques jours, quelques semaines de travail. Le bac français, ben, les échéances sont toutes proches. Je veux quand même souligner, pour ceux qui ne le savaient pas, que
notamment pour le grand oral, et c'est aussi valable pour les oraux de Mathieu, on a invité des gens de la Manufacture, qui est la haute école de théâtre de Lausanne, de venir vous préparer, non seulement pour ces examens oraux, mais aussi pour apprendre comment parler en public, se sentir à l'aise, avoir une bonne posture et une bonne gestuelle. Voilà, donc j'espère que ces cours un peu spéciaux vous serviront, et ça c'est à l'initiative du doyen Daniel Sobrunen que je salue ici. Je profite de saluer tous vos professeurs qui sont là, sont derrière, avec les mêmes sentiments que moi, ce mélange de joie et d'un petit peu de tristesse. Voilà, donc les échéances pour le bac français devant, puis pour la Mathu, vous êtes la dernière volée qui allait le faire en septembre. Voilà, ça vous laisse un peu plus de temps de préparation. Je sais que vous êtes bien préparés. Et quand je parle à mes collègues de l'académique, ils se rappellent bien que sur les 15 ou 20 dernières années, on n'a pas dû avoir plus de 4 ou 5 échecs définitifs. Il y a quelquefois des échecs lors de la première présentation, mais vous pouvez vous représenter et puis réussir finalement. Donc, fingers crossed, croisons les doigts, nous sommes vraiment tous avec vous. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on fête ? C'est la fin de votre scolarité secondaire. Vous allez recevoir un certificat. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert ce certificat quand on aura un IB, un bac français ou une Mathu? Mais gardez-le précieusement dans votre CV, parce qu'un certificat d'études à Champitay, ça n'est pas n'importe quel certificat d'études. Vous allez voir que ça a beaucoup de valeur, que ça va vous permettre d'entrer dans des réseaux d'anciens de Champitay aussi. Donc gardez-le précieusement, ça atteste que vous avez fait vos études secondaires ici. Voilà, chers jeunes gens, votre génération est exceptionnelle. Vous avez, je pense, si on prend un petit peu de recul, plus de chances et d'opportunités que n'importe quelle génération avant vous. D'abord, au niveau du savoir, vous avez dans votre poche accès à l'entier du savoir du monde. Vous avez à travers le web accès au contenu des plus grandes bibliothèques, instituts de recherche du monde. Tout ce qui se sait ou peut se savoir est accessible ici, c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez plus de chances donc de choisir le bon métier, plus de chances de connaître le monde et plus de chances de réussir votre vie. Alors ce n'est pas parce qu'on a accès à beaucoup d'informations qu'on réussit. Évidemment, le challenge pour vous, ça devient de filtrer ce qui est important. C'est un des aspects du monde un petit peu plus compliqué que le mien que vous allez rencontrer. Vous savez aussi déjà que sur Internet, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de mensonges, il y a de fausses vérités. Et donc, une des conditions essentielles de votre réussite, c'est de savoir maintenant filtrer ce qui est la vérité de ce qui est le mensonge. C'est beaucoup plus compliqué que pour moi. Désolé, je ne vais pas vous raconter des histoires de vieux, mais à mon époque, la seule source des nouvelles, c'était le téléjournal en noir-blanc à 19h30 que tout le monde regardait. Une source d'information et tout le monde s'y fiait. Maintenant, vous avez des sources multiples. Je triche un petit peu, il y avait la radio, il y avait d'autres choses, et des journaux, mais quand même. Voilà. Sinon, l'autre dimension extrêmement importante, c'est évidemment que si pour nous, la nature était un endroit dont on pouvait tirer des biens et des recherches et des moyens de se développer, pour vous, la nature, c'est le contraire, c'est quelque chose à préserver dorénavant, parce que le monde a été un petit peu trop loin en pillant les ressources naturelles. Donc, développement durable, nouvelles technologies, recherche de la vérité, c'est vraiment le monde dans lequel vous allez évoluer. Pour moi, la chose la plus importante quand même, c'est, et ça restera toujours, le lien humain. Quand on vient de Champitay, on est un petit peu différent des autres. On fait partie, en quelque sorte, du tribu qui a ses codes, ses valeurs, ses souvenirs. Et si j'ai un message que je souhaite que vous vous souveniez de cette cérémonie, c'est rester unis, rester amis, rester en contact entre vous, mais aussi avec l'école. Nous avons un merveilleux réseau d'alumni, qui n'est pas un mot anglais, c'est un mot latin, hein, alumni. Participez, parce que vous allez voir que ça va vous donner énormément de solutions, de nouvelles idées et de potentialités dans votre avenir. Voilà, nous sommes fiers de vous, très sincèrement, on vous regrette déjà, mais on vous souhaite évidemment plein succès pour les années à venir. Mon discours est terminé, on va entendre un petit interlude musical, puis ensuite, c'est M. Schollenborg, ancien de Champitay, plus proche de votre âge, qui viendra vous parler. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et encore bonjour à tous les parents. Merci.
vivre une cérémonie de fin d'études secondaires, c'est essayer d'arrêter le temps d'un instant. C'est commencer à réaliser qu'on n'est bientôt plus à l'école, sans savoir ce que l'on va devenir. C'est surtout un moment où on va rendre hommage à nos parents, ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont réveillés. Eux aussi, ils se posent la question, quel genre de parents, pour quel genre d'enfants ou de grands-enfants ils vont être. Il joue du piano depuis qu'il a 8 ans. Il est passionné par la culture japonaise. Ce soir, il aimerait rendre hommage à sa maman qui écoutait ce morceau à la radio. Jean-Pierre Dacquer va nous interpréter Merry Christmas, Mr. Lawrence, by Ryushi Sakamoto. Thank you.
J'appelle pour le discours d'honneur Monsieur Andrea Schwellenborg. Chers étudiants, chères étudiantes, chers parents, chers professeurs, chers membres de la direction du Collège Champitain. Premièrement, bravo à l'ensemble des étudiants et étudiantes du Collège pour votre parcours. Et surtout, bravo à vos parents et professeurs de vous avoir supporté dans les deux sens du terme dans cette réussite. Je me présente, Andrea Schwellenborg, 33 ans, gradué en 2007 de la maturité à Champitain. J'ai ensuite fait un bachelor à HEC Lausanne, un master de trading de matières premières à Genève. Après avoir travaillé 2 ans comme courtier dans les matières premières, je suis parti à NYU, 6 mois. Et c'est là où j'ai décidé de monter ma première aventure, Batmaid. Batmaid, c'est quoi? Une plateforme pour réserver votre homme ou femme de ménage de confiance en quelques clics. Mais surtout une entrereprise avec une mission forte, tout comme Champitain. Lutter contre le travail au noir et se battre contre la précarisation du travail. Après un début sur une page blanche en septembre 2014, aujourd'hui nous sommes leaders du nettoyage à domicile en Suisse et au Luxembourg. L'entreprise compte une centaine d'employés au travers de nos 6 bureaux, ainsi que plus de 2000 employés de nettoyage. Cette année, nous avons commencé notre plan d'expansion et après Paris qui a été ouvert il y a 1 mois, nous ouvrirons dans les prochaines semaines, mois, 20 capitales européennes avec une ville aux États-Unis, New York. Nous passerons ainsi à plus de 35 000 employés et 800 personnes en interne dans les 5 à 6 prochaines années. En parallèle, la passion de l'entrepreneuriat dans le sang, j'ai repris et rénové un hôtel de famille à Verbier en 2014. Co-fondé les coworking Gotham en 2017, co-fondé une entreprise leader dans les produits à base de CBD, co-fondé l'application Admin, et finalement acheté en septembre 2020 un restaurant à Verbier, le Taratata. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une boîte de nuit. Pour revenir sur mes années à Champitain, j'étais un cancre notoire dans les derniers de la classe jusqu'au bout, au point que M. Lemenec hésitait à me présenter à la maturité, où j'ai quand même réussi à faire le meilleur score de ma classe. Je rêvais de pouvoir le dire un jour, c'est maintenant fait, chose faite, merci. Champitain, c'était le temps des premiers amours, des amis d'enfance, des défis sportifs, des courses d'école, des camps de ski, mais aussi des devoirs, des retenues, des avertissements, des premières bagarres et beaucoup de bêtises. D'ailleurs, j'espère que vous réservez au collège quelque chose de sympa pour votre départ. À l'époque, on avait décroché l'ensemble des portes du collège et on les avait mises sur le toit, ce qui avait créé un joli chaos. Aujourd'hui marque une nouvelle étape de votre vie, car à partir de maintenant, vous êtes mature, maître de votre destin, excusez-moi. Il n'y aura plus de professeur aux petits soins ou personne pour vous forcer à travailler. Malgré mon jeune âge, je me permets de vous dire que la réussite de votre vie ne dépend pas de l'argent que vous ferez ou du nombre d'années d'études que vous aurez faites, mais du bonheur que vous aurez battu autour de vous, que ce soit au travers de votre famille, de vos amis et de votre plaisir à partir tous les jours au travail. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur et surtout que vous restez vous-même. La vie est longue et profitez-en bien, surtout à l'université. Pour ceux qui, comme je l'étais, sont impatients d'attaquer le travail et d'innover, je me permettrai de vous donner que 2 conseils. Premièrement, travaillez 2 fois plus dur que tout le monde. À l'époque, le professeur Schlatter me disait toujours « quand il n'y a pas le jour, il y a la nuit » et il avait raison. Et deuxièmement, n'espérez pas de cadeaux, car comme on dit « business is business ». Avant de finaliser, je me tiens à remercier l'ensemble des professeurs de Champitain sans qui je ne serais pas qui je suis, et qui m'ont appris les valeurs de la camaraderie, du respect et du travail. On m'avait demandé 10 à 15 minutes de discours, mais ce n'est pas mon style, efficace et droit au but. Merci pour l'invitation et meilleurs vœux de succès à vos futurs prodiges. Être élève à Champitain, c'est avoir un parcours de vie. Être dans une classe à Champitain, c'est côtoyer le monde ou une partie du monde dans une classe. C'est le premier morceau sérieux, selon ses mots, qu'il a appris à jouer au piano. Ça fait 7 ans qu'il joue du piano. Il a choisi ce morceau parce qu'il le joue chaque fois qu'il se retrouve en Azerbaïdjan avec les membres de sa famille. Ce soir, Fouad Mourtouzaïev va interpréter pour nous Nocturne numéro 20 en C dièse mineur de Chopin.
Cher professeur, votre travail n'est jamais pour rien. Ils ont passé des heures, je les ai repris, écourtés encore et encore. C'est le moment des discours des délégués de classe. J'appelle Emma Balok, Victor Kuznetsov, qui vont ouvrir le bal des discours pour la classe de la maturité suisse. Chers professeurs, membres du staff et collaborateurs de Chambité, aujourd'hui nous vivons une joie avec larmes aux yeux. Nous quittons notre deuxième famille. Vous qui entretenez non seulement une école, mais toute une société de rêves. Vous qui non seulement montrez l'exemple, mais nous aidez à devenir meilleurs. Vous qui nous avez suivis en période difficile et pas seulement saluer notre succès. Nous voulons aussi remercier nos parents qui sont derrière leur écran, car c'est aussi grâce à eux que nous en sommes là. Ils nous ont offert une éducation et un futur dont beaucoup d'enfants rêveraient. À nous maintenant de rendre notre dû, d'utiliser la force du savoir que vous nous avez transmise. Tôt ou tard, nous ferons en sorte que vous soyez fiers de nous. Comment ? Sans doute en transformant notre monde commun, le rendant plus juste, plus paisible, plus bon. Maintenant, nous allons nous adresser à chacun d'entre vous. Je voudrais commencer par remercier notre professeur de français et maître de classe, M. Page, qui est toujours resté à l'écoute et qui nous a enseigné le français malgré notre classe souvent agitée. Comme vous le dites souvent, courage Page. Je ne sais pas si vous vivrez encore la sublime horreur d'avoir une classe comme la nôtre. Cher monsieur Delors, vous avez rendu accessibles les matières très difficiles et nous avez toujours aidés, même en dehors des 9 heures de cours par semaine. Si quelqu'un demande à quoi servent les maths, je répondrai en tout cas à avoir monsieur Delors comme enseignant. Madame Gaillard, pour la plupart d'entre nous, vous nous avez vu grandir et c'est vrai que nous vous en avons vu faire de toutes les couleurs avec nos bêtises. Heureusement, nous avons mûri et vous avez tenu bon. Donc merci pour votre dévouement et votre soutien constant. Frau Pirlik, wir sind begeistert, wie fleißig Sie sich unseren Erfolg kümmern. Sie drücken jeden Schüler immer nach vorne. Deshalb neigen wir den Kopf tief vor Ihnen. Cher Monsieur Younes, cela fait 5 ans que vous nous supportez et en effet, cela nécessite beaucoup d'énergie. Vous nous reprochez souvent de se comporter comme si on était au McDo. Et bien maintenant, notre scolarité se termine, donc on pourra enfin y aller en vrai. J'ai maintenant une note anonyme. Da tutta la classe, desidero ringraziare vivamente la signora Bradascio e la signora Bagnoli per averci trasmesso il più possibile la cultura italiana, di gran lunga più ricca di una pizza margherita e le canzoni di Luciano Pavarotti. Grazie di tutto e un augurio speciale per la signora Bradascio nel giorno del suo compleanno e il suo ultimo anno al Champite e le auguriamo il meglio per il futuro. Monsieur Fata, vous avez non seulement été notre professeur de biologie et de chimie pendant des années, mais nous avons aussi vécu ensemble une expérience magique à Madagascar. Donc merci d'avoir donné autant de votre personne pour vos cours et pour cette expérience inoubliable.
Dear Rios Morales, we are grateful to you for your patience and your incredible kindness. Your lessons and 60-slide presentations are not just a positive externality, but a true knowledge-maximizing condition that will guide us to a high exam grade per capita. Mr. Cormick, we would like to thank you for always making us laugh and for teaching us about serious topics, but always in a fun way. And if things got a bit out of control, I heard your corridor speeches were very efficient. Et aussi merci aux enseignants d'art et musique, M. Cottens et M. Conneau, qui ont réveillé notre créativité. Et de philosophie, les cours de Mme Vito et Mme Baronnet nous serviront bien en dehors des examens de Mathieu. Un grand merci à la professeure de russe, Yulia Mailo, de la part de ses élèves, ainsi qu'à Mme Aregui. Nargis vous remercie personnellement de votre gentillesse et de votre implication dans son apprentissage en chimie. We are now starting a new stage in life, universities. Dear Miss Mayenfish, without you, we wouldn't have made our choice. Notre éducation serait impossible sans les professeurs de primaire et de secondaire 1, sans oublier Madame Laloy, qui a toujours été là pour nous. Un grand merci à nos chers profs de sport, des vrais coachs qui nous poussent vers l'avant. Nous avons passé ensemble des moments inoubliables. Nous rendons enfin hommage à Madame Zuffray, M. Lemenec et M. Decorodi, qui ont préservé notre santé, bien-être et scolarité. Elle ne s'est même pas interrompue un seul jour pendant la quarantaine. Et maintenant, un mot pour notre cher doyen. Monsieur Zumbrunen, merci pour votre motivation contagieuse, votre flexibilité et votre aide. Comme vous dites, nous sommes parfois des touristes. Et on n'a jamais eu de guide touristique aussi superbe. Pour dire sérieusement, vous êtes juste un doyen exceptionnel. Et maintenant, un remerciement spécial. Oh, Captain, my Captain. We are honored and grateful to be your last 14 Mathieu class. You have given us a great deal of knowledge and interest in literature. We couldn't think of another teacher because, well, you are the boss. And even if Gatsby said, you can repeat the past, I don't think it's necessary because it was already the best one with you. Thank you, we wish you all the best. Merci Emma et Victor. J'appelle les délégués de la volée du baccalauréat français, Constance Bichnau et Johan Temomanin. Bonsoir. Chers tous, en ce jour spécial, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont encadrés et menés à notre réussite jusqu'à maintenant. Pour ce faire, nous allons remercier chacun de nos profs un à un. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un merveilleux anniversaire à Mathieu Barker. Madame Bongrand, prof de maths exceptionnel, qui nous a aidés dans une matière qui n'était pas faite pour nous, et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs. Malgré les deux que nous avons pu avoir, vous n'avez jamais baissé les bras, et vous nous avez toujours soutenus. Et pour ça, on vous en remercie énormément. Madame Pujol, malgré les hauts et les bas et votre apparence sévère,
Nous savons que durant ces dernières années, vous avez tout fait pour nous mener à la réussite et au succès. Vos prochains Gustave et Mustinguette seront bien chanceux de vous avoir. Madame Bossy, the boss. The boss is always right. And if you think she's wrong, think twice, because she's never. 38 years in this school, and we are honored to have gone through this very special last year along your side. It was a real pleasure. There aren't enough words to describe how good of a teacher you have been to us. We are very grateful for you. Thank you for everything, Ms. Bossy. Monsieur Fatah, ou devrais-je dire Omar. Ces deux dernières années du bac ont été très éprouvantes, mais malgré tout ça, vous avez toujours su relever le défi de nous accompagner jusqu'au bout. Malgré le fait qu'on était une classe quand même relativement compliquée et qu'on vous a fait vivre un enfer. Donc merci beaucoup pour tout. Madame Pirlik. Merci pour toutes ces années d'apprentissage de la langue allemande. Vous avez toujours su nous faire travailler à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas parce que nous avons eu peur de vous, mais c'est parce qu'on voulait vraiment travailler. On entendra toujours votre voix nous rappelant Woodcutschut. Qu'est-ce que Würde en français? Bitte aufstehen. Ou encore Kannst du das Fenster öffnen. Mon allemand est super nul. Kannst du das Fenster öffnen. Alors merci pour tout. Und yes, it's summer. Madame Vito, comme Socrate nous l'a si bien dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Vous pensez bien qu'avec des phrases pareilles, toute notre vie, voire même notre existence, ont été remises en question. Blague à part, nous vous remercions pour votre gentillesse, compréhension, implication, également de nous avoir accompagnés en tant que prof de classe durant cette dernière année. Ce fut un vrai plaisir. Monsieur Page, comme Monsieur Page n'a jamais cessé de nous dire, enseigner c'est répéter. Alors, nous allons vous répéter une dernière fois que vous êtes un prof atypique et admirable. Merci de nous avoir accompagnés durant notre première année compliquée. Madame Gaillard, pardon, votre ironie et votre sarcasme ont su mettre des moments de joie inattendus dans nos cours de maths qui n'étaient pas toujours les plus joyeux. L'apprentissage et la pratique des maths développent l'imagination, la rigueur et la précision des élèves. Et avec votre gentillesse et bienveillance, vous avez partagé cette matière avec nous et vous avez également rendu cette matière plus attractive à nos yeux. Vous êtes une prof de haut niveau et surtout très très organisée. Madame Sierra, vous avez été une nouvelle prof admirable et ensuite très bien nous s'adapter à nous. Votre matière n'était pas la plus évidente ou motivante à enseigner, mais vous avez réussi à ne pas nous laisser tomber et continuer à nous noter, même un peu trop. Tout au long de l'année, on vous remercie beaucoup. Maintenant que c'est fait. Monsieur Louchaï et Monsieur Schoen, le duo de choc inséparable depuis maintenant plusieurs années, avec qui nous avons passé de merveilleux moments. Vous êtes les plus beaux, ne changez pas les bélos. Monsieur Sumbrunen, sachez que nous avons une très grande reconnaissance envers vous. Votre aide et votre soutien en tant que notre doyen nous a été très bénéfiques. Et on ne vous en remerciera jamais assez. Merci pour tout ce que vous avez fait. Madame Zuffray, une femme avec un don exceptionnel. Certains diront que vous êtes une alien, d'autres une sorcière, mais au fond, vous êtes un ange. Que ce soit pour votre bienveillance, votre empathie ou votre gentillesse, vous avez toujours été là pour nous, peu importe la situation, et toujours avec les bons mots. Merci beaucoup. Finalement,
Nous tenons également à remercier nos amis pour avoir passé ces années avec nous, nos parents derrière l'écran, pour nous avoir soutenus moralement et supportés, ainsi que la direction et tout le staff du Collège Champitain. Merci à vous tous. For the International Baccalaureate Diploma, I invite Anna Kryukova and Misha Alimov. Good evening. While writing this speech, we thought of talking about a beautiful end, but realized we're now actually just at the start. And our years of schooling at Champité gave us the wings to head off to great heights from this emotional start line. While writing this speech, we both thought we would have tears in our eyes, which we actually did. But the joy of this moment and unique memories of the years at Champité only allow for smiles and endless positive energy that those buildings are filled with. We've believed that success is not just about luck, but all about the people. In case of a school, people who share your success and who guide you to it, which is a mission that can't be thanked enough. Our endless gratitude today is addressed at Miss Megan Mandloy, who sometimes had to split her explanations into molecular bits to make us discover the world from its serious scientific angle, but always made us enjoy our every minute studying biology and chemistry. Mr. Victor Alarcon, who hasn't only explained the principles of motion, electricity, and much more in class, but converted his personal positive energy into making us achieve high despite any obstacles. Mr. Quinn Cornwall, whose online class streamings, revision, and catch-up sessions at any time of the day and any time of the year would be beyond what anyone could offer to the students. Miss Zina Chlobel, who managed better than anyone ever could to take the best care at once of our well-being and our higher level studies of mathematics, even if those two don't always get along. Mr. Steve DeMang, whose classes always were more than just about a foreign language, but about determining who we are, where we're heading, and what planet we'll leave to the next generations. Miss Martha Coutier, who has successfully made us discover the universe of French, even if we were at times reluctant to do so, and whose perfectionism will remain exemplary to us. Mr. Scott Jamieson, who fully immersed us in global flows and trends, even if the data is the data, and whose precious and detailed feedback on any work has pushed us to success. Miss Helen Gomez, who not only ensured our unity as a class, but once for all in a lifetime made us understand the language of Shakespeare and discover literature from its olfactory perspective. Mr. James Cormick, who kept pushing us to pursue knowledge and autonomy individually and collectively, reasonably and emotionally, but always sincerely, and with the highest personal input. Ms. Rios Morales, whose impact on our learning and development will doubtlessly make us gain a premium point not just in her class, but also in our lives, and whose personal input does not have any comparable value. Ms. Sandrin Collin, who taught us to not just be efficient learners, but truly caring, compassionate, and open-minded human beings, whose emails, whether at 3 a.m. or 4 p.m., always established genuine motivation, and whose minutes of mindfulness we will want to practice for hours.
Mr. David Newsom, whose sleepless nights, mathematics courses, and passages into classes made us accelerate even when everything seemed to be on hold, whose individual approach to each and every student, whether as a dean or as a teacher, made this at times bumpy ride through the IB truly memorable and truly bright. Monsieur Roland Lomanec, who has always guided us as a lighthouse, even at times of loss or darkness, with every decision of his and his unique sense of reason, fairness, and academic values. Miss Maria Zuffre, whose care, protection, and presence made us feel that being a safeguarding lead is also about being a guardian angel, even if a strict one. Monsieur Philippe de Corodi, who was more than just at the helm of the huge boat called Champité, but at the drive for constant improvement, innovation, and progress globally and in the life of every single student, the things he naturally brings to our community. We are forever grateful and wish all the best to the management, hospitality, administrative, and operational teams, and all the personnel of Champité who has been with us throughout the years of our schooling. We also send our immense thank you to the parents who are watching us online, and to our class who's here. I invite you to stand up, actually, and just to applaud. Thank you. Thank you very much. Yeah.
J'attends le hoquet du boss. Chers élèves, plus de coches bientôt. Plus de retenue. Chers parents, plus d'appels de la vie scolaire. Il est où votre enfant? Pourquoi êtes-vous en retard? Plus de fuite à la station-service. Plus de Uber Eats en cachette. Et pourtant, Thibaut Rabillet a choisi de nous jouer ce soir. Yesterday, all my troubles seem so far away. Thibaut, c'est à toi. Il a accompagné des générations et des générations d'élèves. Il a écouté des discours et des discours. À chaque fois, il me dit « Maria, pas trop long, s'il te plaît ». Mesdames et messieurs, le discours de notre directeur académique, M. Roland Lemennec. Chers grands élèves, chers parents, derrière vos écrans, chers collègues, lorsque nous présentons l'école à des visiteurs, eh bien nous avons coutume de dire que Champita est à la fois une très vieille école et une école très jeune. C'est une école de bientôt 120 ans, avec son histoire, sa forte identité, ses traditions plus ou moins récentes, comme celle d'aujourd'hui. C'est aussi une école qui a dû se renouveler et qui a su faire face à des circonstances imprévues. Heureusement que nous avions préparé l'école à l'utilisation des nouvelles technologies. C'était particulièrement important pour les grandes classes, dont les vôtres, afin de poursuivre les apprentissages pendant la fermeture des écoles en 2020. Mais même là, le principe de causalité, selon lequel les mêmes causes engendrent les mêmes effets, eh bien, ce principe de causalité ne se vérifie plus. Puisque cette année, pas de fermeture générale des écoles, pas ou moins d'impact sur le déroulement des examens. Et là où je veux en venir, eh bien, c'est que si nous vivons dans un monde instable, avec une diminution du sentiment de sécurité, eh bien, nous avons aussi des outils pour gérer cette situation et nous donner les moyens de réussir. J'espère de tout cœur que vous retiendrez de votre passage à Champitay, que vous y avez reçu une formation vous permettant de relever les défis qui vous attendent. Et je tiens à m'associer à la fierté exprimée par M. De Cordy tout à l'heure, pour le travail accompli avec vous, pour le chemin parcouru. Nous voulons en particulier exprimer notre reconnaissance envers deux d'entre vous qui se sont spécialement impliqués dans la vie de l'école
et le soutien à leurs camarades. Madame Zuffray a aimablement souligné ma longue présence à Champitay. Eh bien, pendant cette longue carrière, je n'ai jamais vu un pareil engagement. Ils sont parfois agaçants, je dois le reconnaître, parce qu'ils ne relâchent jamais leurs efforts. Ils nous obligent tous à donner le meilleur de nous-mêmes, élèves, professeurs et direction. Je pense qu'ils auront une part dans beaucoup des succès de cette année. Et alors que nous en parlions avec des parents d'autres élèves, monsieur et madame D'Amato, eh bien, ceux-ci ont souhaité récompenser cette attitude exemplaire par un prix de 500 francs chacun, offert par leur fondation de famille, la fondation D'Amato, qui finance par ailleurs la recherche contre la macroglobuliémie de Waldenström. Donc, j'invite maintenant Misha Alimov et Victor Kuznetsov pour ce prix offert par monsieur et madame D'Amato. Dans la volée qui termine cette année, 6 élèves sur 41, ce qui fait presque 15%, ont passé au moins 10 années à Champitay. L'un d'entre vous, y a fait même toute sa scolarité, puisqu'il est entré au jardin d'enfants à l'âge de 3 ans. Donc ça veut dire qu'il a passé 15 ans de sa vie à Champitay, 15 ans d'une vie de 18 ans, puisque Constance l'a souligné tout à l'heure. En plus, c'est aujourd'hui son anniversaire, et c'est Matthew Parker, vraiment. Je t'invite à t'honorer. Deux autres y ont passé 14 ans, c'est-à-dire qu'ils sont ici depuis la première enfantine, c'est Umberto D'Amato et Alexandre D'Ambreville. Et trois autres sont à plus de 10 ans de présence à Champitay, Constance Bisnau, Dimitri Kalinin et Alexandre Gagliotto, mais lui en deux fois. Pour l'ensemble de votre volet, la moyenne de présence est de 5 années et demie. C'est partagé entre la maturité où il y a 8 ans de présence en moyenne et les bacs français et international, 4 ans de présence en moyenne. C'est un bon taux de fidélité dans une période troublée. Et ça mérite d'être relevé et salué, parce que sans la confiance des élèves et de leurs parents, eh bien, il nous serait impossible de travailler efficacement. Je tiens donc à mon tour à remercier les uns et les autres pour leur soutien pendant toutes ces années, années dont le total cumulé des 41 élèves atteint le nombre quand même respectable de 227 ans de présence. Je vous souhaite donc maintenant à tous, bien sûr, la réussite aux examens, et d'avoir dans quelques semaines votre nom sur le Wall of Fame, et je vous invite à ce moment-là eh bien, à entrer dans le groupe des alumni. Notre ancien Andreas, tout à l'heure, en a souligné l'importance. Donc il y a des groupes sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Je vous encourage vraiment à demander l'admission dans ces groupes. Ça vous sera très utile pour trouver des stages ou établir des contacts. Et ça vous aidera, je l'espère, à rester toute votre vie eh bien, des ambassadeurs de Champitay. Dans cette attente, je voulais juste encore m'associer à vos mots de gratitude envers vos professeurs, dont j'admire non seulement les compétences, mais je dois le dire aussi souvent, la patience. Voilà, je vous remercie maintenant de votre attention. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans le futur et dans l'immédiat. Eh bien, une très bonne soirée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers élèves, c'est le moment tant attendu de la remise des diplômes. J'invite sur scène notre directeur général, M. Philippe de Corodi,
et le doyen de la maturité suisse et du baccalauréat français, M. Daniel Zumbrunnen. Bonsoir à toutes et à tous. Alors juste un petit mot, moi je ne suis pas ici depuis aussi longtemps que Madame Bossy. Je fête ma 25e année cette année, mais je pense comme tous les enseignants qui sont assis au fond, c'est toujours une émotion de voir partir des élèves que je connais pour certains depuis la 8e année. Donc je voudrais juste vous dire plein succès pour vos examens qui vont arriver et je vous remercie vraiment très sincèrement de ces belles années que j'ai passées avec vous comme doyen et comme enseignant. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons appeler les élèves de la 14e maturité suisse. Sania Babikova. Emma Balog. Mathieu Barker. Adrien Carrette. Lorenzo Costa. Alexandre Dombreville. Alexandre Galliotto. Hélène Glaus. Dmitri Kalinine. Victor Kuznetsov. Olivia Lenné. Alexandre Loris. Maxence Lederman. Fouad Mourtouzaïev. Varvara Safronova.
Maria Travnikova. Laziza Yusupova. Et Nargis Zouer. Voilà, nous allons passer à la classe de 14e baccalauréat français. On peut penser à eux, dans 3 semaines, ils ont leurs examens, donc on leur tient les pouces, ça va bien se passer. La première, Constance Bichno. Naya Chai. Loïc Ducret. Margot Lemaître-Stöckel. Tamara Segou. Et enfin, Johan Temomanin.
Voilà, et maintenant je cède la parole à notre formidable doyen du baccalauréat international, Monsieur David Newsam. Bonsoir, chers tous et toutes. En tant que doyen du bac international, j'ai le plaisir de vous présenter les élèves du bac international de 2021. I think we can safely say that this has been an exceptional and memorable year. Wouldn't you all agree? Exactly. So, ladies and gentlemen, in alphabetical order, I would now like to please call Mr. Mikhail Misha Alimov. Ms. Katerina Antonovskaya. Mr. Alexander Bazarov. Mr. Umberto D'Amato. Mr. Jean-Pierre Decker. Mr. Sam Gafourian. Miss Anna Krajkova. Raphaël Lévy-Rosenthal. Our favorite gardener, Mr. Vasily Maestrenko. Señor Luis Maldonado Ángel. Ms. Daria Michelina. And because he's special and therefore I skipped over him and I do apologize, Mr. Roman Jacobs. My fault for him. Mr. Thibaut Rabillet. Ms. Tania Sarat Terani. Ms. Maria Savalieva. Mr. Attila Schreiber. Unfortunately not with us this evening, but our thoughts go out to Herr Luke Zenger.
Ladies and gentlemen, here's to an excellent July the 5th. Well done, everybody. That's when the results come out. Chers tous, toutes les belles choses ont une fin. J'ai la lourde tâche de clôturer cette cérémonie. Avant de passer les messages que j'ai envie de vous passer, il y a quelques personnes que je dois remercier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire comme dans la cérémonie des Oscars, énumérer beaucoup de personnes, mais il y a quelques personnes qui se sont vraiment investies et qui sont dans l'ombre actuellement, derrière les coulisses. Je pense en particulier à Galia et à Luca. Je vous en prie de les applaudir très fort. Et puis, surtout, vous allez avoir droit à boire une, voire deux coupes de champagne. Puisque vous êtes tous cordialement invités par la direction après cette cérémonie, Sam, calme tes ardeurs, après cette cérémonie sur la terrasse de votre collège pour un dernier cocktail dînatoire. Pour les familles, vous allez trinquer à la santé de vos enfants. Nous vous sommes vraiment reconnaissants de nous avoir fait confiance. Et j'ai quelques mots de la fin. D'abord, pour vous les professeurs, parce que c'est avant tout aussi votre fête ce soir. Je vais le dire en anglais, parce qu'il y a beaucoup de familles qui parlent l'anglais, qui nous regardent en ce moment, et je peux vous dire qu'avec Lucas, on est arrivé à quasi 100 personnes qui sont en train de regarder cette cérémonie. Merci beaucoup. If we have to build any world into something worthwhile, the highest caliber of people should go into teaching. Because what kind of influence the child comes under in those 15 years of schooling determines many things in their life. And we are so lucky in our college to have a high caliber teachers. Can we please applaud them one final time? Et ce sera mon dernier mot avant de vous inviter de me rejoindre sur scène pour une photo de groupe, un peu de funky music. Chers élèves, quel honneur vous m'avez fait pour vivre cette cérémonie à vos côtés. Je vous souhaite tout au long de votre vie d'avoir les plus belles qualités dans vos esprits, le plus haut niveau d'intégrité et d'inspiration dans vos vies. Merci à tous. Remontez en duo sur scène et musica. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint.
said you hallelujah. Girl, I said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Merci à tous.